Pendant la guerre, ce garçon portait son frère mort sur le dos pour l'enterrer. Du coup, un soldat le remarqua et lui demande de jeter le bébé mort pour qu'il ne se fatigue pas. Le petit garçon lui dit, « Il n'est pas lourd, c'est mon frère. » Le soldat a compris et a fondu en larmes. Des faits divers TV. Vous êtes sûr, des faits divers TV. Aujourd'hui, on va parler d'un petit garçon qui vivait au Japon. Pendant la guerre, ce garçon portait son frère mort sur le dos pour l'enterrer. Du coup, un soldat le remarqua et lui demande de jeter le bébé mort pour qu'il ne se fatigue pas. Le petit garçon lui dit, « Il n'est pas lourd, c'est mon frère. » Le soldat a compris et a fondu en larmes. Et depuis lors, cette image est devenue le symbole d'unité au Japon. Pour cette nouvelle année, réhabilitons cette attitude. Soutenons-nous et supportons-nous mutuellement par cette phrase. Il n'est pas lourd, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon fils, c'est ma mère, c'est mon père. S'il tombe, relève-le. S'il se fatigue, aide-le. S'il est faible, soutiens-le. Il n'est pas lourd en réalité. C'est de l'amour que nous manquons. De bout brigand. Des faits divers TV. C'est quoi des faits divers TV? Vous êtes là parce que tu cherches des faits insolites, des faits divers de tout genre. N'oublie pas d'abonner et de liker pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On vous donne rendez-vous sur notre prochain numéro. Lorsqu'on a été intoxiqué pendant plus de 100 ans par une éducation taillée sur mesure pour nous déraciner, nous dépersonnaliser et nous abrutir, tout ce qui nous reste à faire, c'est de désapprendre pour réapprendre, afin d'être capable de sauver les générations futures africains. Mets à la poubelle tous les mensonges appris à l'école coloniale et apprends ton histoire. La vraie histoire de l'Afrique est tellement belle et passionnante.